Hello tout le monde, eh bien je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo et cet arcane 13 qu'on appelle l'arcane sans nom qui peut des fois faire peur, mais en vérité elle n'est pas si effrayante que ça. En fonction de la situation, elle peut même s'avérer être extrêmement intéressante. En tout cas, une chose que je tenais à dire, c'est que vraiment cet arcane, elle prendra tout son sens, même à la limite son sens final, au regard de la carte qui la précède. Voilà, parce que c'est la carte qui est vraiment la carte du changement. Et alors même si je vais traiter plus du thème de l'amour sur cette vidéo. Voilà, c'était un peu pour expliquer que tout se passera par rapport à la carte qui est avant, et tout ça au regard d'une lecture, évidemment, si on devait faire une lecture, un tirage, quoi. Alors, maintenant, pour l'instant, ce sera le thème de l'amour, et la première question, c'était: que puis-je faire pour trouver l'âme sœur? Eh bien, pour trouver l'âme sœur, lui, ici, l'arcane sans nom va en fait aller dans le sens où on va imaginer que c'est un personnage qui va passer d'un changement radical, celui peut-être de l'enfance qu'il quitte, pour aller vers quelque chose, vers l'adulte, quoi, son monde adulte. Donc, ce sera plus dans cet esprit de devenir plus adulte pour avoir la possibilité justement de trouver son âme sœur. Alors, quels sont les obstacles qui vont l'empêcher justement de trouver l'amour? Bon, ben là, on peut imaginer que c'est quelqu'un qui pourrait être très, très colérique, qui dit les vérités, parce que c'est quelqu'un vraiment de cash, celui-là, hein. C'est pas quelqu'un avec qui on aurait envie qui laissera passer les choses. Non, non, lui, si ça passe ou ça casse, voilà. Donc, qu'est-ce que. Alors, la question d'après, c'est comment améliorer une relation sentimentale, enfin, sa relation sentimentale avec son conjoint. Eh bien, tout simplement, peut-être, on le voit là, peut-être en nettoyant tout ça, en essayant de changer un peu toutes ses habitudes, ses comportements et tout ça. Voilà, on est dans une. De toute façon, à chaque fois, ce sera, voilà, cette question de changement, de grand changement. Là, en l'occurrence, voilà, ce sera changer ses habitudes. Pour arranger sa relation, ce sera. On peut imaginer qu'il va avancer coûte que coûte, peu importe les obstacles qui vont se trouver face à lui dans son couple, dans sa vie amoureuse. Eh bien, il va avancer de toutes les manières. Voilà. Et il peut aussi, oui, il peut aussi en fait se débarrasser de tout ce qui l'empêche d'avancer, lui. Voilà, on est dans cette idée de nettoyage complet et lui va absolument pas hésiter à le faire. Voilà. Eh bien, ce sera tout pour ce thème-là de l'amour. On retrouvera beaucoup tous ces aspects-là même dans les autres thèmes. Mais voilà. Pour l'instant, je vous souhaite une très très belle journée. Et puis à très très bientôt. Bye bye.